Erreur YouTube. Donc voilà. Nous revoilà, il faut qu'on retourne dans les catacombes pour aller dire bonjour à nos amis les momies. C'était par là, je crois. En même temps, il y a un petit escargot. Ah merde, j'ai pas level... Si, j'ai level up. Par contre, du coup, ça peut dépasser 100%, donc tu peux comme ça... C'est pas là du... Attends, le coffre s'est refermé? Oh, mais si on l'ouvre, il y aura rien dedans. Ouais, c'est ce qui me semblait. Par contre, c'est pas par là. Hein. Putain, mais v'là l'angoisse de pas avoir de d'objets de soins permanents. Attends, mais je me suis encore trompé, mais c'est pas possible. Eh oui, forcément, c'est par là. Putain, peut-être qu'avec un meilleur saut... Parce qu'on est d'accord que ça se fait pas, ça. Très envie de tester. Hein. Ok, ça marche pas. Pardon. Putain, du coup, il faut augmenter ton saut pour réussir à passer des passages, ou alors c'est pour revenir en étant au-dessus. Oh là là, ce one shot. Oh putain! Et on a droppé un anneau de l'escargot! On peut invoquer un escargot, c'est le meilleur jeu. Voilà, malgré qu'ils sont un petit peu inutiles, il y en a certains qui ont trouvé que c'était sympa. Oh là là. Incroyable. Alors 100%, on va... on va mettre le Ghost Light ici, en 1, et on va mettre l'escargot. Laissez-moi invoquer un escargot. Du coup, ça vaut le coup aussi de fermer les ennemis. Hein. Bon, heureusement que j'ai pas utilisé mon éclat aussi de rappel. Parce que du coup, l'éclat de rappel, c'est pareil, c'est pas infini, c'est pas un truc que tu récupères derrière, c'est va falloir les drop. Mais pour l'instant, on n'a rien drop sur les momies, mis à part du pognon, quoi. Et up 1,5. Parce que finalement, la torche, elle fait rien du tout de dégâts. Et j'imagine qu'on peut pas... Putain, il y a un... Il y a un weapon XP avec la torche. Va falloir farmer la torche et ça va nous donner, la torche de ouf. En vrai, c'est trop bien comme mécanique, ça. Mais par contre, je tiens à m'excuser pour le stream que ça va donner. Hein. Est-ce que du coup, si tu pètes du décor... Putain, ça marche! J'ai l'impression que ça marche. Au secours. Attends, j'ai pris feu là. En tout cas, on peut trouver de la thune aussi. On est d'accord. Hein. Totalement, donc détruire des objets. Détruire des objets nous fait augmenter notre niveau d'arme. C'est bon à savoir. Et est-ce que du coup on peut augmenter notre niveau de l'héritage sword? Non. D'accord. On a déjà une arme extrêmement puissante.
Ça s'est fini comment, Alan Wake? Bah, pas en eau de boudin, mais du coup, Alan Wake est toujours coincé dans son... En fait, il est arrivé à l'endroit où... où Alan Wake écrivait, du coup, l'histoire, le manuscrit. Et en fait, il a recontinué à écrire une histoire, et il a écrit, du coup, le tome 2, qui s'appelle Return. Et ça s'arrête là. Donc, logiquement... Tu bailles ou... Eh mec, elle est où ta tête? Logiquement, du coup, la suite, ce sera bah, justement au deuxième épisode. Parce qu'en gros, il a l'impression d'avoir compris qu'il pouvait pas sortir de cette histoire. Et donc il écrivait le deuxième tome et du coup bah ce sera la suite. Ce sera Alan Wake 2 mais on fera pas tout de suite hein, parce que du coup d'abord il y a Elden Ring tout ça à faire. Et j'aimerais beaucoup, comme j'avais expliqué, faire contrôle avant. Attention, j'invoque un escargot! Vas-y, bats-toi! Putain, il fait pas de dégâts, il me fume. Oh putain, t'as plus de bras! Il peut plus invoquer! Chet! Faut lui péter les bras. Non! Mon escargot! Ouais, c'est pas terrible les escargots, on va pas se mentir. Désolé, mais je vais absolument voir ce que c'est une torche améliorée. Hein. Si ça se trouve, elle éclaire plus loin. Là, on est sur la découverte ouais, de Lunacid, qui est un dungeon crawler très inspiré. Des vieux RPG à l'ancienne de type Kingsfield. Et il était du coup en early access et j'ai bien attendu sa sortie. Merde, c'est vrai que ça fait pas de pause. Non, 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 pas le poison, pas le poison. Viens là que je te coupe le bras. Je crois que si on lui coupe le bras droit, pas le bras gauche, il lâche son arme. Ah d'accord, le poison c'est du poison de zone, donc quand il fait ça, faut s'enfuir en fait. Ok, et comme ça on peut esquiver le poison. Bon, va falloir que je me soigne bientôt. C'est nul à chier l'escargot. Oui, je confirme. Et le groupe Kingsfield, si tu connais pas, c'est un petit peu l'ancêtre de Dark Souls. C'était une série de jeux de From Software. Justement. On peut détruire ça aussi. Hein. C'est peut-être pas très malin. Ah, t'as vu la vidéo d'Edward? J'imagine. Retro-découverte. Qui remet au devant de la scène, justement, les Kingsfield. Ah bah évidemment. On peut pas ouvrir. C'est pas grave. L'ennemi n'appuiera pas sur le bouton si on lui paralyse la main droite. Médecin! Je sais plus où je vais, je sais plus où je suis. Hein. Là, très franchement. Ah oui, là, on avait récupéré la deck sacrificielle. Ah, et là, on pourra peut-être récupérer. C'est pas ici? Non, visiblement, c'est pas là. On peut aller par là en tout cas. Oh là là, mais cette nouvelle épée, merci quoi. Ah! Y'a un mur invisible! Let's go! Oh là, les deux fioles de soins, ça je dis oui. Par contre, j'ai pas vu si c'était en appuyant sur X que j'avais réussi à l'ouvrir. Ou en... Je crois que c'est en appuyant sur X qu'on a réussi à l'ouvrir. Il ne se réveillera pas si on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. C'est en appuyant sur X. Ok, il y a un point d'interrogation du coup quand t'es à côté des murs.
Ouais, la torche, c'est pas pour tout de suite. Hein. Par contre, par exemple, l'arme empoisonnée... Ah, ok, de la plateforme. Et du coup, on fait une espèce de critique sur les membres. C'est assez sympa, ça. Du coup, on est redescendu. Il y a un système de grade. Ouais, du coup, alors, il y a un système d'XP. Donc, tout en bas, là, il y a level 12, XP 261%. Donc, ça fonctionne en pourcentage. Et ensuite, il y a un système d'XP des certaines armes. Par exemple, du coup, la torche, ici, il y a Weapon XP. Et du coup, quand elle est max, il faut aller l'amener à un endroit dans le hub pour la faire level up. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait avec notre arme de base. Et maintenant, elle fait beaucoup de dégâts. Donc, ça a l'air d'être très puissant. Et il y a du coup des dégâts localisés. Ah, de l'onyx. On a récupéré donc des matériaux pour de l'alchimie. Et moi je suis capable de rester 40 ans dans ce donjon, hein. Je vous préviens, hein, de le faire en boucle. Hein. Bon, c'est juste satisfaisant à faire, quoi. Ah, on n'avait pas fini de lire ça. Alors, donc on dirait que le cerveau a été enlevé, mais les plaies ont été infligées à l'intérieur du crâne lui-même. On dirait que le cerveau, c'est à gratter sa sortie, qui est un mur invisible. Oh putain, c'est chouette. C'est bon, je suis dedans. Je suis dans le jeu, ça y est. Prends-moi ce tir magique. J'aimerais bien essayer de te couper la main, voir si... Ça augmente genre le loot ou le drop. Oh oui! Il a une autre arme lui aussi. Hein. Ah, merde, on s'est fait toucher. Merde, on s'est refait toucher. Encore. On va se soigner, hein. Description du Victor Hugo. Ah, c'était un poète, en tout cas. Peut-être Verlaine. Ah oui, on a une nouvelle arme. Du coup, la Rusted Sword, donc 13 de dégâts. C'est une Great Sword. Donc en vrai, on va l'équiper. Parce qu'elle est beaucoup plus lente, mais ça sent les gros dégâts à venir. Ah la vache. On a l'air de faire un mouvement vers l'avant quand on est emporté par le poids de l'arme, je pense. J'ai l'air d'avoir cette mécanique-là avec ça. Donc il faut faire quand même assez gaffe de pas se faire emporter et du coup se rapprocher et se mettre dans un coup. Parce qu'il y a une mécanique de bloc, mais bon, voilà, blocage, c'est pas pour moi. Ah, un fragment de cristal. Donc ça, c'est pour retourner au hub. Mais par contre, c'est gigantesque, quoi. C'est de l'indé, ouais. Merde. Ça coûte 14 balles. Il est à 13 euros et quelques. Il y en a vraiment partout par contre. Oh un anneau. Ah moi vous me vendez des jeux avec des secrets comme ça, c'est bon. Hein. Le Blood Strike. Ah. Intéressant. Magie du sang. Donc. Blood Strike. Donc une forme de magie du sang agressive. Certains guerriers préfèrent se baser sur des formes de magie qui utilisent leur vitalité plutôt que leur pouvoir magique. Vas-y, on peut voir ce que ça... Bah... Blood Strike. Voilà, merci.
On testera ça contre un ennemi. Des mecs qui arrivent à faire ça sans doute avec un petit budget, et nous on va sans doute se taper un jeu Avatar à 60 balles créé par un Unum Studio. Mal fait. Ça va être de la merde, Avatar. C'est Ubisoft, c'est sûr. Mais c'est surtout qu'aussi, enfin bon, c'est pas nouveau le fait que justement les jeux indés, même tu prends le Knight, hein. Qui du coup surpasse n'importe quel triple A dans absolument tous les domaines. Blood Wine, du vin de sang. C'est vrai qu'on aurait pu jouer Vampire aussi, du coup. Du coup, Blood Wine, c'est dans Matériaux peut-être, non? Dans quoi c'est? Ah oui, bah c'est forcément là. Blood Wine. Restore one's blood and health if vampiric otherwise. Ok, si on est un vampire, ça nous soigne, sinon c'est empoisonné. Attends, là, 518% d'XP, faudra peut-être qu'on aille. Peut-être qu'on aille level up, hein. Mais c'est aussi parce que les indés sont un peu plus libres de ce qu'ils font et sont moins imposés par des diktats de... De producteurs, d'actionnaires... Ou de mecs qui sortent d'école de commerce. Donc forcément qu'ils ont une plus grande liberté de faire des trucs un peu plus... Un peu plus faits pour un public de niche. Comme par exemple les fans de Kingsfield, quoi. Ça, j'aurais cru. Par contre, encore une fois, je sais pas où on va. Tiens, prends-toi ma magie du sang, vil démon. Ok, c'est de la merde. Aïe! Mais ça fait vachement mal! C'est vrai que lui, en fait, il nous saute dessus, hein. Voilà. Ah putain, ouais. Dur. Dur. Bon, la magie du sang, c'est pas terrible, mais après, tu peux l'utiliser quasi à l'infini, entre guillemets, vu que tu... La santé utilisée régène. Oh non! Putain! On est avancé trop tôt dans le poison, quoi. Oh merde, putain. Ça y est, c'est la fin du fun. Ah, il drop du mana vial. Des fioles de mana. C'est quoi, c'est un combat? Qu'est-ce que cette merde? Mirage revealed. Oh, on est revenu au début là. Ok, donc là, bah, du coup, on peut revenir ici. Il faudrait peut-être qu'on aille refaire un level up et tout. On va peut-être d'abord essayer d'augmenter notre Rusted Sword. Faudrait qu'on retourne trouver d'autres ennemis. Je crois pas avoir vu de mur caché par là. Faut que j'augmente la torche. Ok, donc ici où on est revenu là, c'est là où on a récupéré donc la santé. Mais bon, après, voilà, forcément que c'est assez facile de cracher sur les triple A et c'est facile d'adorer les indés, mais bon, c'est... chaque côté a son côté positif et son côté négatif. Parce qu'on a aussi forcément des triple A qui sont incroyables. Ah, et du coup, là, on retourne ici, justement. Moi, ça m'intéresse pas des masses. Et on a des jeux, bah typiquement, voilà, Dark Souls, c'est pas un jeu indé, hein. Elden Ring non plus. Hein.
Mais que le jeu vidéo est suffisamment diversifié tout en étant une industrie pour malgré tout permettre l'avènement de tout un tas de choses qui nous permet d'en profiter. Tout ça qu'il faut se dire. Bon, si en même temps les gros studios pouvaient éviter de faire du harcèlement de leurs équipes et de les détruire avec du crunch, ce serait mieux, mais bon. Critiquer sur Ubisoft ? Ah mais il faut toujours critiquer Ubisoft. Il faut toujours critiquer Ubisoft. C'est toujours viable de critiquer Ubisoft. Ça ira plus vite comme ça. C'est que je veux vraiment voir à quoi ressemble la torche améliorée. Et merde. Ok. Faudrait qu'on retombe sur des ennemis. On n'est pas allé par là, je crois, si. Tu veux me dire qu'il y a rien là? Genre y a rien là. Y a peut-être un mirage sur un autre côté. Hein. Ubisoft et ses microtransactions, Ubisoft et ses jeux qui n'arrêtent plus rien, Ubisoft et sa gestion du personnel merdique. Ce Ubisoft? Oui oui. Non non, pas le Ubisoft de Rayman Origins. C'est pas celui-là, non non. Non, le Ubisoft de Watch Dogs. L'Ubisoft de Far Cry 5, 6, 7. Je sais même plus à combien ils en sont maintenant. C'est ce Ubisoft là. Ouais. Ouais. Ce bruit de saut. Jdouing. Ce Ubisoft de Avatar FPS monde ouvert. Parce que voilà. On te donne la licence Avatar. Bien sûr. Fais-en un Far Cry-like, quoi. Évidemment. Ah, les petits soucis de transition de musique. On aurait peut-être pu faire genre une attaque... Du coup, je sais pas si on peut redrop une arme déjà drop. Parce que je sais plus si on pouvait vendre des choses au magasin. Comme ça, visiblement, ça bouge pas. Par contre, on a un nouvel anneau. Oh, Flame Flayer. On a le lance-flamme, genre. Le Flaming Lights stay where it is, 4 for, pour dans 45 secondes. Ok. Donc, créé par les sorcières de feu Ashley. Donc ça fait un feu par terre qui reste là 45 secondes, c'est pas très utile, on va plutôt garder la flamme spire. Même si... Non, je pense qu'on va garder le Bloodstrike, parce que du coup ça nous permet d'avoir un projectile qui nous coûte rien, entre guillemets. Ah putain, mais Far Cry Primal, Mall, mais... J'ai pas joué, mais vraiment, ce qui m'a le plus trigger, c'était le fait qu'ils aient embauché un linguiste pour créer une langue dans leur univers, cohérente, etc. Pour derrière tout balancer à la poubelle en rajoutant des sous-titres. Ce niveau, mais de manque de respect, mais... C'est ahurissant, quoi. Et de manque de confiance envers ton public. L'escargot, best choice. En vrai, je suis sûr, l'escargot, il y a moyen que ce soit... fou. Ok, on est dans un nouvel endroit, là.
faut que je fasse gaffe parce que du coup on a un dash avec cette arme là quand on attaque. Voilà. Ok, elle est XP max, donc on va rentrer. Je retrouve le chemin. On peut peut-être descendre par là. Ouais. Bon, on a un cristal pour rentrer, mais autant faire ça à pied. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mur... Je me suis dit, vu le placement de la lampe, peut-être, mais visiblement non. Ça aurait été bien de level up la torche. Enfin, en tout cas, d'avoir le level de la torche au max. Attendez, non, c'est pas par là. C'est par là, non? J'ai l'impression que c'est par là. Ouais. Les bruitages, ils sont incroyables. Et là, on meurt. Voilà, ça c'est le genre de truc auquel il faut penser aussi dans un jeu comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Dark Souls, donc tu perds pas genre ta progression, elle reste à un endroit et faut aller retourner. Non, là on meurt, on reprend notre dernière sauvegarde, c'est-à-dire avant que je commence le donjon. C'est-à-dire qu'on perd tout. Même le loot. Ça fait un peu stressé quand même. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me soigner parce que les potions, on les récupère pas gratos, et normalement là y a pas d'ennemis. C'est vrai qu'il faut vraiment que je fasse gaffe à ça, faut pas que j'oublie. Faut que j'oublie que la mort là elle est punitive. On n'est pas venu ici pour rigoler quoi. Alors c'était à partir d'ici. C'était là, non? Non, c'était pas là. Avec ta vitesse d'asthmatique d'Alan Wake, c'est chaud, non? Franchement, ce sera jamais pire qu'Alan Wake. Attends, est-ce que c'était par là? Putain, je me suis encore perdu. Oui, c'est par là. On a fait le chemin 6 fois, quoi. Encore une fois, désolé, mais faut qu'on améliore la torche. Mais les plantes aussi. Les plantes, ça doit marcher. I guess. Oh, c'est bon, on va pouvoir les améliorer les deux d'un coup. Let's go. Alors, level up. Oh, on a 21 points à mettre. Hein. Donc on va en mettre direct. 5 en force. 2 en def. 10 en speed. Comme ça, ça me semble pas mal. Et on saute du coup plus loin, et on va plus vite. Alors, est-ce que Micheline, elle veut nous dire quelque chose? Oui, c'est très joli ici. On dirait que j'ai pas besoin de m'échapper d'ici. J'ai toujours envie d'aider ceux qui ont envie de partir. Très noble à toi. Hmm. Est-ce qu'il faut détruire ça? Visiblement, il a l'air de devoir couper les cordes ou quelque chose. Peut-être avec l'arbalète. Ça n'a pas l'air de suffire, ça. Ouais. On dirait que je le crache du sang, quoi. Oui. Oh. Oh là 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 là. C'est bien, ça. Allez, à la torche. Ouh. Alors, nos nouvelles armes. Donc la Dark Grey Sword, 28 de dégâts.
Pas trop de speed, mais plus de reach. Il y a un backstep. Alors du coup... Ok, il y a une Dark Energy. Et la Iron Torch. Ok, ça protège la main. Celle-ci, bon, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. On va garder la Dark Grey Sword Sword. Reprends ta séance plateforme. Je voulais juste le symbole. Espèce de tête de mort là. C'est du dark, d'accord. C'est un élémentaire dark. Ouais, c'est un peu lent, mais ça passe quoi. Ça pourrait être pire. Est-ce que notre pote le squelette, il a quelque chose à nous dire? Jean Pépé. Est-ce que je t'ai déjà dit comment ces moines ont été bannis d'ici? Non. Durant les croisades, hein, des gens de toutes sortes venaient ici avec une envie de se d'en découdre. On dirait qu'ils avaient peur d'un d'émeute ou quelque chose. Et avant, il y avait beaucoup d'endroits pour s'en aller d'ici. Peu importe. Il y avait cette secte de moines sacrés qui voulait de cette action. Mais les moines, généralement, ne combattent pas. Et n'étaient pas autorisés à sortir du monastère. Donc ils ont tous décidé qu'ils utiliseraient leur magie pour aider. En invoquant un démon. J'imagine que leur plan c'était de le tuer, mais après que le rituel... Après le rituel, ils étaient surpris de se rendre compte que le démon était un enfant. À la place d'une quelconque grosse brute. Ils ne pouvaient décider à la tuer. Donc ils l'ont élevé dans le monastère. Après que les croisades se soient terminées, l'église en a entendu parler. Et donc ils sont tous terminés ici. Ils ont construit ce sanctuaire et ont habité ici pendant un moment. Et c'était il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont tous partis maintenant. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça soit passé. La mémoire n'est plus ce qu'elle était. D'accord. L'alchimie. On a juste de la onyx. Putain, on a 37 de... Mais du coup, la onyx, ça nous sert pour... On a pas ce qu'il faut, quoi. De toute manière. Il passe en mode démo. Je suis un chevalier, je suis trop dark. Il passe en mode scorpio. D'accord. On peut peut-être acheter la crossbow en soi. On va voir ce que ça prend. On va prendre la rapière et tout, ça on n'a pas besoin. Oh, le son qui en peut plus. On va acheter l'antidote. Oui, non, c'était ça que je voulais. Donc, Earth Elixir. On en a plus, Enchanted Key on en a plus, donc on va prendre l'antidote ici. Et comme ça, on est un peu protégé. Et donc, normalement, il y a la crossbow. Weapon XP. Mais si, mais je voulais changer. On a la crossbow. Qu'est-ce que c'est que cette visée ? Non, ça a pas l'air de ça. Bon, par contre, la crossbow, c'est bien. C'est tir infini. Ouais, non, ça a pas l'air de suffisant. Ça a pas l'air de ça. Hein. Ah, Bill Guts, toujours. Hein. Personnellement, dans les quand je découvre un jeu From Software, c'est toujours Bill Guts. Tout dans la force, rien dans l'intelligence. Tu vas avoir les oreilles qui sifflent. Berserk qui n'utilise pas de crossbow. Pardon ? Allô ? Je te conseille de le relire. Hein. Il a une meilleure arbalète que la mienne en plus. C'est une semi-automatique la sienne. Donc, il y a la crossbow qu'il faut qu'on améliore. Ah, du coup, juste de tirer. Genre, ça fait un bonus quoi.
C'était bien par là. J'avais pas fait gaffe au bruit d'élastique. C'est incroyable. Ça devait être par là du coup la sortie, non? Ouais. Je suis désolé. Je tiens à m'excuser. Hein. Vraiment. Je tiens à m'excuser pour tout ça. Ça devrait aller vite en vrai. En vrai, la crossbow va nous être utile là. Hein, pour ce passage. Pardon, ouais, t'inquiète pas. T'as le droit de te tromper. Hein. Ocean Bonshard. Ah. Et maintenant, on va jouer à Doom. C'est parti. Bon, je pense qu'il faudra quand même balancer dans la mana. Parce que je pense que c'est quand même un jeu qui va... Je pense pas que tu puisses... Enfin bon, si, tu peux toujours, encore une fois, jouer comme tu veux, mais... Je pense qu'avoir un peu de pouvoir dans la mana, ça peut être bien. Mais c'est juste que oui, l'arbalète de Guts, elle est tellement, on va dire, que jusqu'à la moitié du manga. Dès qu'il récupère son armure du Berserker, c'est fini, quoi. Il a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin d'une arbalète. Interdit de se tromper. T'as le droit d'hésiter, mais t'as pas le droit de te tromper. Oh merde, pardon, c'est pas ce que je voulais. Toc toc. Je me souviens plus d'où c'est. En vrai... Merde, je voulais changer d'arme. Mémoire de vieux qui est pleine de trous. Comme le gruyère. Oh là là! Ah oui d'accord. Encore une nouvelle zone. Merde. En vrai, meilleur investissement l'arbalète, hein. Et par contre, tu peux pas changer d'arme pendant un rechargement. S'occuper de lui d'abord. Ouais, là... Cette arme-là, elle est pas terrible. Hein. Contre eux, c'est pas ce qui marche. On va reprendre notre héritage sword. Tu redonnes plus vie à tes petits pots. Non, c'est bon, je les ai entendus hurler. J'ai eu ma dose. C'était sûr! You're in the know, right? C'est-à-dire quoi? Tu es dans le savoir? Oh putain, on a trouvé une VHS! À quoi ça sert? VHS. Une vieille étrange boîte. Sa fonction a été oubliée il y a longtemps. Je vais l'équiper. On va regarder un film. C'est Alan Wake. Non, on peut rien en faire. On va contrôler un magnétoscope. Le présent, bah du coup, c'est le futur. C'est un jeu post-apo. Let's go. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre? Mais non, on y joue comme Doom, hein. C'est-à-dire que tu longes les murs et t'appuies sur le bouton action. C'est pareil, c'est le même jeu.
Enfin qu'on fasse demi-tour parce qu'il y avait du coup l'espèce de zone verte aussi. Parce que là on a plutôt une espèce d'éclairage jaune on va dire. Et il y avait du coup la zone verte dans une espèce de crypte là, là où on était tout à l'heure. Souvenez-vous. En vrai c'est vraiment le jeu parfait du soir ça. Ouais, ce week-end, faut absolument que je m'occupe des VOD. Hein. Parce que là, faut qu'on upload du Alan Wake, il y a le Endless Dungeon aussi à upload. Et du coup, on a qu'une seule main. C'est ça aussi qui est rigolo. Parce qu'en fait, si ça se trouve, on est que là, on joue que la main depuis le début. Hein. Ça va être ça le twist de fin, c'est que tu n'es que la main qui cherche à retrouver son corps. Fétide Mire, ok. Et là, faut se souvenir que c'est par ici, quoi. Bah écoutez, on va aller par là, en vrai. Hein. On va prendre le chemin et on va essayer de se souvenir qu'il y a un autre chemin. Ouais, mais l'autre chemin, il était caché. Celui-là, il est pas très caché. Peut-être prendre le chemin caché, d'abord. Donc, il y a les lanternes. Si on suit les lanternes, ça nous ramène où ? Voilà, donc faut suivre les lanternes à partir de la fontaine. Mais pas n'importe quelle lanterne. Merde. Bon, la crossbow ça va être long. Hein. Pour l'instant la crossbow on l'oublie. J'arrive pas, je pense, j'ai l'impression qu'elle nous éclaire mieux. Mais après c'est peut-être dans ma tête. Et par contre ça a une portée beaucoup moins folle. Hein. Là on est d'accord, il n'y avait rien. Et les PNJ communiquent avec toi ? Comment ça, eux, là ? Tiens, brûle ! Démon ! Bah, en tout cas, ils ont l'air de pousser des gémissements, mais ils ont plus vraiment de bouche. Par là, y'a rien. En tout cas, c'est pratique quand ils sont enflammés, ils éclairent la pièce. Essayez d'enflammer les ennemis. Attends, il y a une blague ? Il y a une blague que je sais pas. Enflammer, communiquer. Ah oui, le feu, c'est... Oui, c'est bien. Bah, quand il veut bien brûler, bordel de merde ! Ok, donc voilà ici. Ah oui, pardon. Excuse-moi Vincent. Oui, si je ne suis qu'une main, c'est quand même compliqué de répondre. Après, je réponds que par oui et par non, mais peut-être que du coup, c'est les... Ça les inquiète pas, tu vois. Genre, si ils ont dit, bah, si tu dis oui, tape deux fois, genre comme la chose, quoi, tu vois. Tape deux fois pour dire oui et une fois pour dire non. Il faut laisser virevolter son imagination. Ah, un bouclier.
peut-être y aller comme ça, ouais. Golden Shield. Il y a bien longtemps, j'ai entendu des histoires d'Abdul et de son temple. Maintenant, comment ils ont réussi à s'échapper... à atteindre... le... Merde, j'ai pas le nom, Enlightenment. C'est pas ensoleillement. Non, c'est pas du tout ensoleillement, mais c'est... Et s'échapper. L'illumination. Mais ils sont toujours là. Ou en tout cas, leurs corps sont toujours là. Une main n'a pas d'oreille. Ça n'a pas d'oreille, une main. Oui, mais tu es peut-être méga conscient. Hein. Parce que regarde, on n'a pas de pied. C'est vrai que la langue dessine, tout simplement. C'est si évident. Un truc là, non? Bon, tu vas brûler, oui? Ah bah putain! Illumination, ouais. Merci. Est-ce que c'était par là? Parce que du coup, on ouvre genre des trucs secrets. Non, ça, on l'a fait. Il y a des trucs secrets, mais tu te dis... le passage normal, en fait, on le suit pas, quoi. Parce qu'on est arrivé de ce côté-là, plutôt, non? Je sais même plus par quel côté on est arrivé. Non, on est arrivé par là. Oui. Ça, on l'a lu. Si on n'a pas de pied non plus. On nous a volé nos pieds. Peut-être que du coup, genre dès que tu vas tuer un boss, tu vas reconstituer ton corps. Ça servait à rien, juste que ce soit rigolo. Alors. Donc on a récupéré le Wooden Shield. Mais attends. Je connais par là. La bibliothèque et tout, c'est par là qu'on est arrivé de l'autre côté tout à l'heure. C'est par là qu'on a ouvert le... la zone mystique. La zone cachée. Mais par contre, il y a une autre zone. Putain, comment on y retourne? J'ai des souvenirs d'une zone verte, verdâtre. Vous la voyez? Avec des espèces de cellules. Putain de merde, comment on y va? Parce que là, on est d'accord, il n'y a plus rien. Ce serait pas ici? Non, ici, c'est la zone... Ah. Non. Ça, c'est justement... C'était... Il y avait un anneau, il y avait une magie. Serge sous acide. Bah pour l'instant, tu vois, la map me dérange moins que celle de The Surge. Hein. Voilà, on balance. On vide ses poubelles, là. C'est juste dommage qu'on peut pas changer la sensi, mais je pense qu'une sensi trop haute, ça deviendrait compliqué. Et les réglages sont plutôt bons, là. Y'a pas à se plaindre. Donc on est revenu ici. Non, c'est pas avec le warp. Non, c'est une zone qu'on n'a pas découvert parce que le warp t'amène... Le warp t'amène à une... T'amène à un cristal. Ah, putain! T'es où? Coucou! Comment ça va?
beaucoup, bienvenue. Pour cette découverte de l'unacide. Observe. C'est incroyable. Fluidité de tous les instants. Ah, pardon. Écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Là, je suis dans le jeu. Là, ça y est, il m'a fallu peut-être une heure pour être dedans. Le premier donjon. Donc, Dungeon Crawler tout simple, vue FPS, différentes armes, de la magie en haut à droite, notre vie, notre mana, plus des objets. Par contre, là j'essaie de retrouver une zone où j'étais allé tout à l'heure, et là je ne sais plus où elle est. Du coup, un système assez intéressant du jeu, c'est qu'on a du coup des armes, et des armes ont des niveaux d'expérience, par exemple l'arbalète, et du coup lorsque l'expérience est au max, tu peux l'améliorer. Sans avoir besoin de matériaux. Donc c'est l'utilisation qui fait le... qui fait l'amélioration de l'objet, donc c'est plutôt sympa. Là on a déjà amélioré du coup nos armes et la torche par exemple. Mais je devienne fou! Vous vous souvenez pas comment on était arrivé à cette zone? Dans le plus grand des hasards? Sinon faudrait que je regarde la VOD quoi. Qu'ils aient pu faire ça sur la Nintendo 64. Attends, tu veux la Nintendo 64? Je vais te la donner, pas de soucis. Hein. Tu demandes. Voilà. Ça va mieux? T'es moins perdu, là? Gros pixel qui tâche. Et encore, hein. Ce serait vraiment ça. On verrait rien à plus de 6 mètres. Il y aurait le brouillard. Putain, mais ça me trigger! Comment on y était allé? C'était avant le level up. Et là, on tourne en rond. Ça fait écran de veille Windows 95. Je pense que c'est le but. Hein. T'en cache pas. Oh là là, l'angoisse, putain! Je suis dégoûté. Et ouais, j'ai pas de souvenir non plus. Je pense qu'on va regarder les VOD. Hein. Je pense qu'on va te laisser là, YouTube. Prends soin de toi. Et on va essayer de voir comment retourner dans cette zone verte. A tout de suite.